Zag. Qui un matin est venu voir mon père parce qu'il cherchait une petite jeune de la campagne, travailleuse, sérieuse, musclée, jolie. Puis moi je suis pas très difficile, hein, non, pas du tout. Le gardien, l'avançant, l'arrière. Pourvu qu'il tire bien. Comment ça va? Oh ben tu sais, moi le lundi je suis comme Robinson Crusoe. J'attends vendredi. Waouh. Oh, t'es superbe aujourd'hui. Merci pour les bisous, maman. Hein, les hommes, eh bien Dieu leur a donné un sexe et un cerveau, tu vois. Mais hélas, pas assez de sang pour irriguer de la foi. Le vendredi soir, j'ai entendu monsieur le directeur téléphoner au comptable et dire qu'il allait licencier Micheline si les touristes n'étaient pas plus nombreux. Mais c'est dégueulasse, c'est la prison qui est entre nous. Oh, j'ai dit Micheline. Oh, j'espère qu'elle a rien entendu. Ne dit-on pas que la beauté intérieure est inversement proportionnelle à celle du corps? Ah ouais? Ben oui, on dit ça? Oui. Oh, ben la vache. Oh, ben la Micheline, alors. Elle doit être sacrément belle à l'intérieur. Oh, et la Nadège. Oh, la journée renfrognée, non? Oh, on dirait une tête de mérou. Mais je peux vous dire que c'est la fille du poissonnier. Bonsoir, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour motif professionnel. Voici ma carte. Marie Cheval, inspectrice des impôts. Papa, déclaration depuis 5 ans? Mais vous m'étonnez! Un problème avec la poste, sans doute. C'est ça. Faites le malin. Le fait de ne pas déposer de déclaration dans les délais entraîne des majorations et pénalités pour dépôt tardif. Article 1758 du Code général des impôts. Oui, écoute, Marie, tu peux me faire ça quand même. Madame Cheval. Madame Cheval. Qu'est-ce qui se passe? Il est tombé. Oui, oui. Un accident de cheval. Mais c'est con naturellement, toi, tu suis des cours de perfectionnement. En attendant, monsieur le directeur, je vais pas vous faire peur, mais si vous avez le fisc au cul, je vous garantis que vous allez marcher de travers un mouvement. Moi, tout dépensé au casino depuis la mort de mon père, voilà. Oh le con. Oh le con, le con, le con. Enfin, je veux dire, le con, le compromis, c'est mort. Sérieux, tiens, il y a ton copain Polyte. Ben. Il nous a fait un caca mou. Quoi? Ça va bien? T'es en train de défendre du lycée juste à côté? Oh, quel farceur ce Raoul! Et en plus, j'ai l'impression qu'elle me drague. Oh, et je serais pas étonnée qu'elle aime aussi les femmes. Oh, mais moi, je vous aiderais bien, monsieur le directeur, mais... Mais vous connaissez le niveau de mon salaire? Oh, puis vous n'avez pas idée de ce que je dépense pour mon ravalement de façade. Un con parce que tu fais pas de ta maison. Et non, du con, je parle de moi. Oh. Possible. Tu sais bien que je viens de m'acheter un nouvel appartement et puis en ce moment, qu'est-ce que tu veux? Mais je suis complètement raide, voilà. Hein? T'es raide, toi? Oh. Ah, mais prends une photo, ça te fera un souvenir. Pour 18 cubes. Donnez-en à tes 100 000 euros, mon petit Polyte, hein?
Mais non. Jouer avec ma sœur. Qui n'est, quoi? Comme toi, Marcel. Et puis, je pense avoir la main pour ça, voyez-vous. Ah, oui. Ben oui, coucou, la main de ma sœur, ouais. Bon. Ben oui, si t'as besoin d'un mannequin pour ta formation, moi, je peux bien me sacrifier. Gougou, comme ça, tu pourras dire que tu fais une formation sur le tas. On arrive approximativement. Je vous fais quelques centimes, hein, bien sûr. À 400. 400 euros. 400 euros. 400 euros. 400 000 euros. De la famille de la Vénus depuis 6 générations. C'est
Mais c'est bien la première fois que je prends un bain dans du jus de betterave. Et d'après que c'est bon pour l'ostéoporose. Oh, madame, vous avez raison, hein. J'avais la peau rose en sortant. Heureusement, bon pour la libido. Vous en avez... Mais quoi? Ben, la libido. Mais écoutez, la dernière fois qu'il a vu le médecin, il m'a dit qu'il y avait de l'arthrose, qu'il y avait aussi un peu de diabète, et puis qu'il y avait de cholestérol. Mesdames, le marin dit pour la libido. Je vous en prie, asseyez-vous, je vais appeler monsieur le directeur. Mais c'est qui a peur d'avoir froid, Chola? Monsieur Chamallow, les chiens ne sont pas admis au terme. Freddy Chamallow ne se sépare jamais de Yuki. C'est à prendre ou à laisser. Bonjour, monsieur Chamallow. C'est un immense honneur pour nous de vous accueillir dans notre établissement. Bonjour, madame. Monsieur de la Bénouse, s'il vous plaît. Ça dépend. Vous avez rendez-vous? Non, mais dites-lui que c'est de la part de mademoiselle Clermont, inspectrice de la sécurité sociale. C'est mon indiscrétion, mais j'ai cru comprendre que monsieur de la Bénouse avait des ennuis avec le fisc. Oh, ben, ce qui se dit, hein, mais bon, d'après, et que le devrait de centaines de millions de... Enfin, ben, parlons d'anciens francs, hein. Et... Surtout pas au répéter, hein. Si j'ai bien compris, vous êtes paysan masseur, c'est bien ça? Absolument, absolument, et vous avez ce qu'on dit aussi? Quand on passe entre les mains de Gougoule, on en a la chair de poule. Et sorti en pâturage, au minimum, 4 heures par jour. Et puis, un peu de chambre le soir, pour améliorer leur sommeil. Du chanvre? Oui, du chanvre, enfin. Du cannabis, si vous voulez. Attention, on est du bio, hein. Il est même passé dans l'émission La Bourre dans le Pré. N'importe quoi, l'amour est dans le pré. En train de mettre au point une nouvelle pomme en y intégrant du lisier, dites-donc. Oui, 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 du lisier, attention, hein. Mon lisier. C'est Justine Clermont, inspectrice assermentée de la sécurité sociale. La sécurité sociale? Oh là, oh la boulette, Raoult, oh la boulette. Thank you.
Vous étiez atteinte de phobie, aquaphobie, habitophobie. En gros, vous avez peur de l'eau. C'est ça, madame. Vous êtes salarié, mais vous travaillez où? À la Compagnie Générale des Eaux. Si vous connaissez Dalinda, on ne connaît pas, c'est qui? Je ne connais pas Dalinda. Je sais bien que tu l'adores. Bobino, Bobino. Ben, elle n'est pas la seule, hein. Parce que moi aussi j'ai une phobie, figure-toi. Oui, et même que ça s'appelle la propatodiaphylatophobie. Tu connais pas la propatodiaphylatophobie? Mais c'est la peur d'être constipé. Pas gay, hein. Grata, 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 sur ta mandoline, mon petit bambou. N'en parle pas. Il a fallu que je rentre dans la baignoire avec lui pour lui montrer qu'il ne risquait rien. Hey, mais c'est dans quelle tenue? En fait, t'affole pas, hein. J'avais à peine fait glisser la blouse qu'il a viré du rouge au violet. Il est tombé raide. Pas quand il reste, j'aurais été trop beau, hein. Non, il s'est évanoui. Il était où, hein? Les Yuki. Il est où le gentil titoutou? Il était où, hein? Les Yuki. Il était où le gentil titi? Il m'a humilié. Il doit payer. Véritable salope. Oh, mais c'est impossible de passer avec les bandes. Bon, essayez-vous là. Allez, la chanson, c'est fini pour moi. Et vous me voyez monter sur la scène avec l'épiderme qui parle en bas. Oh, ben là, oui, c'est sûr, hein, mon beau vieux chamallow. Hein. Vous avez pas de peau. Hein. Je vais te retirer toutes les bandes que tu as sur le corps. Quoi? Tu vas me débander complètement. Hey, monsieur Chamallow, allez très doué pour la version aussi, hein. Oh, peu importe l'état de ta peau. Oh, tu es un homme. Oh, avec un cœur. Oh, et puis ta voix est toujours aussi belle. Oh, alors, ça c'est beau, hein. Ben, j'ai mon violon à faire, quoi. C'est gentil, mais tu vois. Oh, mais Freddy, moi aussi, je suis là. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre. L'ombre de ta main. Oh, l'ombre de ton chien. C'est tellement beau ce que tu viens de me dire, Gladys. Oui. Et tu m'autorises à l'utiliser dans une prochaine de mes chansons? Oh, mais bien sûr, Freddy, c'est cadeau. Oh, Gladys. Oh. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, il faut tout dire. Mazarine, je présente Madame Chapignon, magnétiseuse à l'âge des 12. Vite, entre nous, il y a une de mes spécialités, mais pas que. Ici, guérisseuse, magnétiseuse, marabouteuse, radiesthésiste, sourcière. Études, hein, mais vous sortez de quelle école, Madame Père? Ah, je sais. Oui, mademoiselle. H-E-C. Aux études de Champounier. La Berthe. Ah.
Et... Me dites là, croyez pas qu'il est en train de se foutre de ma gueule, hein? Mais enfin, la Vénus tout de même, une professionnelle comme moi, mais ne descend jamais en dessous 150 euros. J'ai tout raté, tout raté. Pas de femme, pas d'enfant, plus d'argent, mais c'est pas drôle. Alors vraiment, j'ai tout raté. C'est la fin. C'est la fin de la Bénouse. Alors là, c'est la goutte qui a fait déborder la casserole.
Bon, voilà, c'est toi qui prends tout, c'est moche, mais moi je m'en veux déjà. Attends, je rappelle tout de même que le chien a été retrouvé sur les genoux de Monsieur Chaudoreille. Oui. Il devra s'en expliquer devant la justice. Mazarine, appelle la gendarmerie. Non, non, Mazarine, tu n'appelleras personne. Mais pourquoi? Je te rappelle qu'il a été pris la main dans le sac. Mais enfin, Hippolyte, mais tu ne comprends pas. Francis. Francis, mais c'est mon neveu. Mais c'est aussi ton demi-frère. Un demi-frère. Attends, tu sais, quand j'étais petit, j'ai toujours rêvé d'avoir un grand frère. Et ce soir, quand j'étais dans mon lit et que j'avais peur, je serrais très fort une peluche en imaginant que c'était mon frangin qui me protégeait. Et c'était quoi ta peluche? Un petit ourson tout marron. Avec un nœud papillon rouge? J'ai eu le même quand j'étais petit. Il s'appelait Teddy Bear. Teddy Bear, c'est ça? Je vais m'en aller. Attends, attends, attends! Est-ce que je peux te demander quelque chose? Oui. Tout ce que tu veux, Hippolyte. Francis, est-ce que tu peux me... serrer dans tes bras? Oui, Hippolyte. Oui. Le massage péruvien. C'est un massage aux pierres chaudes, hein. Mais les pierres, elles étaient peut-être un petit peu chaudes, hein. Ça chauffe la couane. Bien que vous voulez vous souffrir pour être belle, hein. Et dites, n'y ai-je vu le directeur qu'embrasser un homme? Mais là, c'est la meilleure. C'est qui que la virée de bourg lui aussi? Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Le shred au blouson qu'on m'étonnerait pas. Le blouson? Ben oui, de la jaquette. Oh, des blousons, jaquette. C'est bien que ce Gonzague, là, le sautait sur tout ce qui bougeait. Vous dites, moi, il y avait beau bouger devant lui. Ma chambre est sautée dessus. C'est quoi comme soin, justement? C'est les douches à géant. Ah, c'est bien ce qu'il est, oui. Vous l'aviez dit. Mais c'est ce qu'on appelle passer au karcher. Hey, j'espère que l'eau sera pas trop froide, hein. Parce que moi, j'ai pas envie d'attraper un pneu au thorax. Ah, monsieur le directeur, mais je vais aller où, moi?
Pôle emploi comme tout le monde. Non, bien sûr, il a dit, je te mets dans la peine avec moi, te mets dans. Mais attendez, je n'ai que secondo. Secondo, elle était de mèche avec le PDG de la chaîne thermolytique de l'Ouest pour me faire chanter. Ah, oh, mais c'est un vrai polar, votre histoire. Mais c'est quoi, c'est tout ça? Beaucoup d'amour. Mais mon soeur, mais vous avez pas compris. Non. Et Mazarine, c'est la fille cachée du président de la République. Mais je t'explique, Mazarine, elle t'aime, d'accord? Mais elle pense que tu ne l'aimes pas. Et comme elle voudrait bien que tu l'aimes, elle te fait croire qu'elle ne t'aime pas. Qu'est-ce qu'on passe? On va se parler, nous, alors? Sans mais, bon, hein? Vous vous rendez compte? On va rater la messe de 11h. Mais qu'est-ce qu'il va penser, la bêtisier? Non, mais qu'est-ce qu'il va penser? Oh, mais quand même! Oh, mais quand même! Je suis presque neuf. C'est de monter sur une Micheline.